La création de Haydn, c'est l'œuvre d'un compositeur d'un âge donc mûr et respectable. Il faut savoir que donc, Haydn a bien sûr parcouru l'Europe et notamment Londres. Ce fut un véritable choc pour Haydn quand il a pris connaissance de la partition de Handel, le Messie de Handel. Et il est rentré donc, en Europe, sur le continent, avec la ferme intention à son tour, de livrer un oratorio qui délivre un message biblique à la fois, mais avec un côté profondément charnel et incarné. Pour monter le programme qu'on fait ce soir, la création, en gros, on peut dire qu'on a à peu près entre 15 jours et 3 semaines entre les enfants et les adultes. Les adultes allant un peu plus vite de par leur expérience, on a réussi à monter ça à peu près en 10 jours. Partition qui fait donc symboliquement appel à des archanges. Donc Adam et Ève apparaissent dans le dernier tableau. Et ce qui est particulièrement touchant dans cette partition, c'est que les archanges délivrent à la fois un message biblique, le message de Dieu. Donc on a l'histoire de la création, jour après jour, créature après créature. Et en même temps, ces archanges voient la façon dont la vie naît sur terre. Et donc il y a ce mélange d'affects humains, même s'ils sont des archanges, en sont-ils capables, c'est la grande question. Et ils sont donc ces messagers, ces petits mercures entre Dieu et la terre. La difficulté, évidemment, c'est que c'est en allemand. Et surtout la difficulté, c'est qu'on a à la fois les adultes, mais on a aussi les enfants. Alors l'avantage, c'est que le chef connaît très bien cette langue et donc a pu aller plus en profondeur sur tout le travail qu'on avait commencé avec les chanteurs. Soit toujours le travail d'un collègue, chef de chœur, qui a préparé donc le chœur en amont. C'était une très belle rencontre avec Henri Chalet et Émilie également. J'ai été bluffé, je dois dire, à la première répétition, de voir en fait dans le pupitre des sopranis de jeunes de 10-12 ans chanter 1h45 en allemand. Alors bien sûr, il y a le travail de l'articulation, la langue allemande est extrêmement exigeante pour nous francophones, dans le sens où elle n'a pas de legato naturel comme le français ou l'italien l'ont. Les consonnes ont un relief extraordinaire. Il y a cette micro, ce que les Allemands appellent articulationspause, cette légère pause d'articulation entre les mots qui donne énormément de vie au texte. Dans une acoustique comme la nôtre ce soir, c'est indispensable. J'essaie toujours d'apporter un supplément d'âme, parce que le travail technique était remarquablement bien fait. On essaie d'inclure en fait le cœur dans son image mentale en tant que chef, en disant voilà, et de construire en fait des lignes, parce que ces partitions sont encore relativement pauvres en indications dynamiques. Pour nous qui avons l'habitude des grandes partitions du 19e, 20e, 21e siècle, extrêmement précises et détaillées,
Il y a des gestes musicaux qui se faisaient d'emblée à l'époque parce qu'il y avait encore une culture du geste musical. Donc il faut réintégrer des tensions, des détentes, des lignes de force. Les fugues sont nombreuses dans la Schöpfung et elles sont redoutables et tant aussi qu'au niveau des désinences. C'est très agréable de voir en fait ces jeunes chanteurs qui savent gérer une désinence en fin de phrase ou en fin de mot. On a eu la chance d'être préparé au préalable par une très bonne chef de chant, Morgane Fauchois-Prado, qui nous a aussi beaucoup coaché sur l'allemand. Et quand j'ai rencontré David Reiland, ça s'est tout de suite très très bien passé. C'est un chef qui est très très attentif à nos besoins aussi et aux difficultés qu'on peut rencontrer. Et il sait nous rassurer et être présent pour nous encadrer. Et il a été très positif et donc on a pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. David Reiland est un chef pour moi absolument exceptionnel. Il nous donne absolument tout, l'envie de chaque phrasé, chaque nuance. On a beaucoup, beaucoup de chance, je pense. Moi, je l'avais vu diriger dans d'autres projets du conservatoire les années précédentes, notamment dans les productions lyriques du conservatoire. Et j'avais déjà beaucoup aimé, notamment Reigen, qui avait été fait il y a plusieurs années. Quand j'ai appris que David Reiland venait diriger ce projet, j'étais très, très heureux de pouvoir le rencontrer et de travailler sous sa direction. Zur ewigen Nacht, zur ewigen Nacht.
Dans toute l'histoire de la musique, l'intervalle a vraiment une place à prendre au-dessus de la note. Comme je dis, jouer la bonne note au bon moment ne suffira jamais, ne remplacera jamais le fait de jouer l'intervalle entre deux notes. Et tout spécifiquement parce que ce répertoire du XVIIIe siècle est encore extrêmement connecté à la rhétorique et aux affects baroques. Et donc on sait aujourd'hui que la symbolique de l'intervalle était très très forte. Le demi-ton ascendant, descendant exprime donc justement cette peine, cette douleur, la mort, la carte augmentée. Le diable en musique a toute sa signification encore. L'octave montante exprime donc justement ce jet de lumière, cette ascendance vers le divin. L'octave descendante, c'est l'abîme. Donc, et on peut continuer ainsi de suite. La carte, la sixte, exprime la joie, la lumière quand elle est ascendante. Et donc il y a encore cette relation à l'intervalle expressif est encore extrêmement présent chez Mozart, chez Haydn. Et c'est intéressant quand on travaille avec de jeunes musiciens et un jeune orchestre, c'est de voir que ce langage-là s'éloigne en fait indubitablement de nous. C'est un langage qui devient aujourd'hui très éloigné pour notre génération, enfin les musiciens en 20, 25 ans, 10 ans après, je m'inclus encore de cette génération-là. On interprète ces œuvres-là avec un héritage romantique extrêmement puissant, une formation qui est visée sur la musique contemporaine. Et il ne faut pas oublier que chaque mouvement musical s'est inscrit un peu en marge et en rupture d'un autre. Donc le langage romantique s'est inscrit en rupture du classicisme, et le classicisme a voulu une certaine rupture avec le baroque. Ça fait déjà beaucoup de ruptures jusqu'à nous aujourd'hui. Et ça se sent. Donc il faut, à mon sens, rééduquer un peu la génération d'aujourd'hui à retrouver en fait cette façon de gérer les tensions et les détentes, les arcis et thésis, de cette musique-là, alors que ce sont des paramètres qui étaient fondamentaux au XVIIIe siècle et que, justement, notre héritage culturel du dernier siècle, notamment, a lissé, à mon sens. Aujourd'hui, on va vers la grande phrase et moins dans la tension et détente un peu plus minimaliste. Henri Chalais nous dit en amont qu'à la cathédrale Notre-Dame, tout va être beaucoup plus bas et beaucoup plus dur. Donc quand on arrive à Notre-Dame, on y pense et ça marche, normalement. Le chef d'orchestre nous donne plus d'énergie, nous donne envie de chanter encore plus qu'on en a envie. Le fait d'avoir l'orchestre, ça nous assure aussi un appui et une confiance en soi. Notre-Dame, c'est un ensemble qui réunit plusieurs entités, avec tout d'abord l'éveil musical, avec les petits qui font une heure et demie par semaine, où on ne fait vraiment que de l'initiation musicale, vocale. Et ensuite, à partir du primaire, on a des horaires aménagés avec des doubles cursus,
où les enfants sont le matin à l'école et l'après-midi à la maîtrise. Et donc, ils ont plein de cours, de cours de chant, cours de technique vocale, de formation musicale, de théâtre, plein de choses. Et à partir du collège, nous avons le chœur d'enfants qu'on peut voir à la cathédrale, qui participe au concert, le jeune ensemble qui réunit les lycéens, et enfin le chœur d'adultes qui sont en formation professionnelle et qui sont donc dans une formation diplômante. Première rencontre, comme je dis toujours, la première répétition, ça reste une somme d'individualité. Et c'est tout à fait normal. Chaque musicien arrive avec une préparation individuelle de sa partition. N'a pas encore, ils arrivent pour la plupart du temps, comme je dirais, musicologiquement non informés. Beaucoup découvrent la création pour la première fois. Donc il y a cette découverte à faire, et puis il y a la découverte purement pragmatique, technique du jeu d'ensemble, qui est non négligeable. Parce que dans ce répertoire, tout s'entend. Il n'y a pas beaucoup de grands traits de virtuosité, les cordes en ont quelques-uns. Cette façon de penser harmonique est quelque chose que la classe d'orchestre, justement, apporte et développe admirablement. Ces musiciens, ces jeunes musiciens, ont une pensée solistique et doivent subitement, en fait, arriver à parler la même langue. Je parlais de ces tensions et détentes, mais dans une configuration très harmonique, très verticale. Donc, tant au niveau de l'intonation, tant au niveau de la construction des phrases, et puis le simple fait de jouer avec ses oreilles, comme je dis. Ça se passe très bien avec David, avec qui je partage beaucoup de choses musicalement, pas dans le même sens esthétiquement, donc du coup c'est une fusion qui marche très bien. Ce qui est important pour moi, je trouve, c'est que ça nous fait réfléchir, et moi le premier en tant que chef de chœur, sur le travail que je fais avec mes chanteurs. Ça me permet d'avoir un regard extérieur du niveau qu'on a en ce moment, de voir dans quelle direction on peut avancer. C'est un peu comme une masterclass quelque part, où on invite quelqu'un qui vient sur 2-3 jours et qui va avoir une sensation du temps T qui est donné à ce moment-là et qui ne connaît pas les chanteurs depuis longtemps. Pour la création, on a dû faire 2 répétitions, une pré-générale et une générale dans les lieux, pour avoir le temps de s'habituer. Et même nous, la maîtrise, on a l'habitude de chanter dans cette cathédrale, mais on a toujours besoin de se mettre dedans et de... Voilà, il se passe toujours au moins 1 heure à la première répétition où les chanteurs se cherchent un peu. On sait qu'il faut attendre un petit peu que tout le monde se mette dans le bain et tout d'un coup, ça va prendre par une certaine magie. Tout le monde va finir par s'adapter au lieu, comprendre comment placer sa voix par rapport au lieu, et les exigences qu'on avait en répétition peuvent se retrouver ensuite. Après, l'expérience qu'on commence à avoir permet d'anticiper ces choses-là. Par exemple, quand je travaille avec les chœurs dans une salle sèche, je leur demande des phrases parfois un peu excessives pour alléger le son ou pour durcir quelques consonnes qui paraissent excessives dans la salle sèche, mais quand on va arriver dans la cathédrale, on comprendra l'intérêt. Et c'est l'avantage qu'on peut avoir avec un peu d'expérience, c'est de gagner du temps sur cette problématique de l'acoustique.
L'acoustique de Notre-Dame est extrêmement généreuse. On m'a parlé de 7 secondes de réverbération. C'est vrai qu'il faut, il faut faire en sorte que l'acoustique devienne le plus rapidement possible dans répétition, devienne une amie. C'est clair qu'elle va jusqu'au bout, elle va déstabiliser, notamment pour le public, elle va faire perdre beaucoup de reliefs et de détails qui ont été précisés et répétés, c'est certain. En même temps, l'acoustique génère, j'ai envie de dire, un épiphénomène qui est dans cette partition particulièrement appréciable. Il y a cette rondeur, j'ai envie de dire, cette permanence sonore qui est quasi métaphysique, il faut le dire. Maintenant, au niveau technique, c'est vrai que le rapport, donc d'abord le problème de balance, parce qu'une acoustique généreuse prolonge également des nappes sonores. Certains instruments tels que les bois, en fait, ont un pouvoir de perce très puissant, donc ce sont des nappes qui persistent plus longtemps. Donc il faut leur demander souvent de réduire après l'attaque. Et le chœur, en fait, doit vraiment projeter, comme je leur ai dit hier, et ils ont rigolé, de cracher le texte pour avoir ce maximum de consonnes et surtout avoir des consonnes qui mordent en anticipation. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile à modifier pour un chœur. Et je dois dire que leur adaptation entre la première et la deuxième répétition était vraiment flagrante. C'est arrivé à chanter légèrement en anticipation avec cette consonne très, très placée très, très tôt, même pour les solistes. Et pour l'orchestre, il s'agit de jouer, comme je dis, non pas fort, mais court. Et encore une fois, de renforcer les détentes. Parce que c'est dans les détentes que il faut du contraste. C'est jour et nuit. Plus on lâchera d'un côté, plus ça permettra d'avoir du relief de l'autre. Mais il est faux de croire qu'on peut jouer 16 mesures fortissimo. On perd en fait la puissance et le caractère. Il vaut beaucoup mieux en fait ciseler dans ces 16 mesures le fortissimo avec des moments de détente structurés pour justement le faire ressentir fortissimo. Alors que voilà, donc c'est un peu un jeu des contraires. Comme disait Messiaen, c'est le charme des impossibilités. Il faut parfois aller contre la sensation physique qu'on voudrait aller dans la musique pour donner à l'acoustique la possibilité de compenser. Le chant à Amiens il y a environ 5 ans, je dirais. Il y a 2 ans, je suis rentrée dans le chœur d'adultes de la maîtrise Notre-Dame de Paris. Je suis restée un an là-bas et ensuite je suis rentrée au CNSM l'année dernière. L'acoustique de Notre-Dame, obligatoirement, c'est compliqué parce qu'il y a à peu près 7 secondes de réverb et c'est vraiment... il faut avoir l'habitude. Je pense qu'il faut, pas chercher à faire quelque chose de spécial, vraiment rester focus et pas se laisser perturber. Oh!
dès la première répétition que nous avons faite ensemble, donc uniquement les solistes et piano, ça a été une formidable découverte, vraiment. Malgré leur très jeune âge, puisque je prends d'abord notre première soprane, Hélène Carpentier, par exemple, très jeune âge, 22-23 ans, a déjà une grande personnalité, un phrasé vraiment extrêmement soigné, grande élégance classique. Et c'était ce qui m'intéressait vraiment chez chacun d'eux et qu'on retrouve en fait, c'est cette élégance du phrasé et aussi quelque chose dans le timbre qui sert admirablement cette partition. Que ce soit Kelly, Olivier ou quoi que ce soit, ils ont cette distinction du verbe et en même temps cette grande souplesse du phrasé. Rencontrer les chœurs, forcément ça donne une autre dimension, on va dire. Puis en plus pour moi c'est aussi nostalgique parce que j'étais avant dans ces chœurs. Je connaissais déjà la création parce que j'avais déjà travaillé les airs auparavant. C'est une œuvre que je connais bien. Oui. Quand on chante, on essaye de ne pas prendre trop en compte cette acoustique de Notre-Dame parce qu'il faut pouvoir garder ses marques et essayer de conserver ses repères physiques pour ne pas être trop perturbé effectivement parce que c'est vrai que ça change beaucoup par rapport à une salle classique de concert, mais en dehors de ça, la voix sonne bien et on est content de chanter ici quand même. Je connaissais évidemment le grand air, le deuxième air de ténor, parce que c'est un peu un tube du travail de ténor. J'ai regardé la partition et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose pour moi actuellement et que c'était le moment d'y travailler. Donc c'était vraiment une très très belle opportunité. Glanz, wir hören den Wächsern Flug, das Glanz.
Das verschmilzt der Fisch und findet sich in Städtern Gewinn umher. In Städtern Gewinn umher. Vom tiefsten Erdgrund wähnt sich Leviathan. Auf schäumenden Wellen war, auf schäumenden, schäumenden Wellen. C'est la première fois que j'ai l'occasion de chanter avec un chœur aussi grand en plus, et puis un bel orchestre, et puis dans une salle aussi belle que celle de la cathédrale de Paris. Et je suis ravi d'être là et travailler dans de si bonnes conditions. Le fait d'être rejoint par le chœur donne une autre dimension au chant. Ça porte beaucoup plus que lorsqu'on est en duo, trio. Mais le chœur a un autre rôle par rapport aux solistes que nous interprétons. Et ce maillage en fait, des deux donne une dimension très grande et un peu céleste comme pièce. C'est souvent comme ça par expérience. L'orchestre commence, comme je dis toujours, à température, donc très investi. Le chœur toujours en deçà. Et il y a systématiquement un balancement. L'orchestre, d'autant plus que l'œuvre est assez longue, 1h45, 1h50 de musique. Donc il y a une fatigue qui se crée, qui est humaine. Et en revanche, le chœur prend ses marques. Et donc dans les œuvres avec chœur et orchestre, surtout dans les acoustiques très réverbérées, il y a toujours en fait ce principe de vase communicant au niveau de l'énergie. Le but du chef, c'est justement de solliciter, réduire et surtout amener à la conclusion les deux, si possible, sur le même niveau énergétique. Let's go.
Je suis à la fois au lycée et au chœur, donc c'est évidemment un engagement dans la musique. C'est une passion, sinon j'aurais pas choisi de la faire. Je suis sur ma 7e année, donc j'ai fait 2 ans de chœur préparatoire qui m'ont mené à 4 ans de chœur d'enfant, et là je suis sur ma première année de jeune ensemble. La collaboration avec le CNSM, avec le Conservatoire de Paris, qui a été instauré à l'époque du chef de chœur précédent, avec Lionel Sault, peut dire que maintenant, ça devient quelque part une tradition. On arrive à monter au moins un projet ensemble tous les ans. C'est important pour nous de créer des partenariats parce que ça nous fait rayonner et ça permet aussi de profiter de toutes les forces musicales qu'on peut avoir à Paris et avoir la chance de pouvoir travailler avec le Conservatoire de Paris. On ne va pas se plaindre. On se retrouve bientôt en plus pour faire les Vêpes de Monteverdi cette année. On a encore des beaux projets qui sont en cours de discussion pour l'année prochaine. Et j'espère, je souhaite une longue vie à cette collaboration avec le Conservatoire de Paris. Que j'ai travaillé avec le conservatoire, donc c'était Mithridate de Mozart. Ça reste un souvenir très, très émouvant pour moi. Une partition redoutable avec un jeune cast brillantissime. D'ailleurs, très heureux de voir qu'ils font une belle carrière aujourd'hui, chacun. Et puis, j'ai retrouvé le Conservatoire National de Paris lors de la recréation de l'Iliade l'amour de Betsy Jolas. Autres occasions également lors des prix de composition, donc là avec l'orchestre des lauréats, et à chaque fois dans des atmosphères très différentes jusqu'à aujourd'hui, cette Schöpfung de Haydn. Donc un bonheur extrêmement sincère de retrouver la dynamique de la maison, tant par les forces vives du plateau musical que technique, que toute cette équipe de production.
C'est vraiment, vraiment très, très agréable de se sentir encadré du début jusqu'à la fin et même en amont, et puis d'avoir les souvenirs après qui perdurent.